Ma Mission TV, le miroir du monde. Merci d'entendre ba rétracter tozanango ce que ça y ayé wana banga ki ba rétracter ta mais tozana ba document na biso nyonso aya document na document de samba ba bi pièce contre pièce merci Mokia il est où Mokia? J'ai fait la confrontation avec Mokia ici en 2018. Ce n'est pas sa parcelle ça. Merci au chef de l'État. État de droit est là. Maintenant, tout le monde dit que l'État de droit est Zali. Et Zali Penda. Et ça silogate. Et Foni Moutoute. Bisoye, Mokia, Zobiso le Pango depuis 2018. Toqué partout va dossier Bungaka. Maintenant, ça salit que la justice est en mode catalyse. Merci Maman Rose Moutoum. État de droit, président Félix Tshisekedi dans l'objet faut état de droit étage. Un bien qui ne t'appartient pas. Et loko ya yoté. Si qu'on s'est caparé en gros, l'état sali moussala na est vraiment to yé pour na to droit. Oh yo ya biso lu pango eza mais c'est moi qui a té. Armando. Il y a 7 jours après la sommation à vider les lieux. 7 jours. Nanobina va tourner en boutique, le vieux va partir. Mais il y a son fils là, Eric, qui est en train de s'entêter là-bas, avec les policiers qui s'entêtent. Mission TV, le miroir du monde. Le droit est là. Trop, c'est trop. Combien de fois va document Bungia? Merci au chef de l'État. État de droit est là. Maintenant, tout le monde dit que l'État de droit est Zali. Et Zali Penda, et ça silogate, et Foni Moutoute. Bisoye, yomo, kazo, biso le pango depuis 2018. Toqué partout, va dossier Bungaka. Menzamba, salike, le lo justice, yamo, moke katalika. Merci, Maman Rose Moutoum. Merci, chef de l'État. État de droit, la banana yé, na bato ya loja koto. Bazo boya ko bima wa. Bazo boya.
Mais les lots, tu es côté logé. L'État est côté logé. État de droit. État de droit, président Félix Tshisekedi dans le lobby, faut état de droit et ça. Un bien qui ne t'appartient pas. Et loco y a yoté. Si on s'est caparé en haut, l'État sali moussala na est vraiment. Toye pour na to droit. Oh yo y'a bien sur le pan où est-ce que c'est moi qui a été. Et ça y a été. La personne ne lui appartient pas. Et ça y a moutou à Botola. État de droit en haut, président Félix, bravo. Si on état de droit, faut que tu sali to comme il y a un moment où état de droit. Donc, Makambe combien marche à libérer ndako mwana na zo tsala ba parti pata pour libérer ndako ba ta on ya bango kota na kabo kota oui de dumo la ni au papa Armando. Confrontation avec Mokia ici en 2018. Ce n'est pas sa parcelle, ça. Hein? Il y a eu rétractation de l'ordonnance 246 où il y avait la plupart des villas. Mais le parquet a fait son travail, la justice a fait son travail. Il doit libérer. Et pour un bon citoyen, quelqu'un qui se dit président d'un parti politique, il doit avoir un bon sens. On leur a laissé la signification il y a maintenant 7 jours. Je dis non, non, on laisse. On laisse le vieux, il va sortir de lui-même. Mais il n'est pas sorti, hein. C'est plus de 7 jours qu'on a fait la sommation. Ce n'est pas sa parcelle. Il n'a qu'à aller sur 64 justice. Ça, c'est 64 Lukusa. Et c'est depuis des années. Le propriétaire est malade. C'est quoi ça, finalement? L'état de droit est là. L'état de droit est là. La justice pour tous est là. Voilà pourquoi on nous a remis dans notre parcelle. Mais ils ne veulent toujours pas quitter. Ils ne veulent toujours pas quitter. Donc c'est tout ce que moi je peux dire. Merci à la justice congolaise. Merci à tous ceux qui ont contribué. C'est ça. Il n'a qu'à libérer, ce n'est pas sa parcelle. J'ai fait la confrontation avec lui à l'inspection générale de la police ici, à l'inspection générale des services judiciaires. Alors, où est-ce qu'il est? Eh, pas là-bas, pas là-bas. Si. Hein? C'est quoi ça? En plein centre-ville comme ça, si c'est ta propre maison, tu peux pas arranger ça. C'est la preuve que ce n'est pas sa maison. Et où les a mauvaises quoi? Hein? Un dirigeant politique, soi-disant un président d'un parti politique, comme ça, ou comme ça, disant qu'on a été. Hein? C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Hein? Vraiment triste. Avant les élections 2018, j'ai fait la confrontation avec lui ici à l'inspection générale des services judiciaires. Je lui ai dit, tu es candidat à la présidence. Alors, tant que comme ma président, tu vas commencer à voler les biens d'autrui comme ça. Tu vas commencer à voler les biens d'autrui. Mais à Saliba manœuvre, à suivre ordonnance, ordonnance. Mais une seule ordonnance, il y a 95. Et Pessi Ndakuna, 64 justice. Et non 64 Lukusa. Hier, il n'y avait pas l'état de droit. Aujourd'hui, il y a l'état de droit. Voilà comment on vient de rétracter ordonnance, soi-disant Pessi Ndakuna. Parce qu'il a inséré le numéro 35-36 dans l'arrêt. Arrêt à cour de cassation en Ngoy. Arrêt 27-42. Pour que nous l'arrêt 2742, c'est 64 justice et non 64 Lukusa. Mais comment on doit faire comme ça des choses, hein?
Combien de photos pour nous? Nous ne sommes pas dans un jungle. Nous sommes dans un pays de lois. Voilà maintenant l'état des droits. Faut-il qu'il y ait 7 jours après la sommation à vider les lieux. 7 jours. Le vieux va partir. Mais il y a son fils là, Eric, qui est en train de s'entêter là-bas, avec les policiers qui s'entêtent pour ne pas sortir. Voilà, c'est ça. C'est là. Je vais vous montrer la carte.
Merci beaucoup. Je ne sais pas si je vais réellement bien m'exprimer parce que je suis dans l'émotion. Effectivement, ça fait plusieurs années. Plusieurs années alors. Où le monsieur que vous venez de citer est venu nous déloger. Déloger la famille de monsieur Mundi Kayombo Médard. C'était un certain 11 juin 2018. À 16h. Vous voyez les écrits là-bas. Vous voyez, ce sont les huissiers de justice qui ont écrit. Hein? Mais à cette époque-là, c'est lui-même mot qui avait écrit au mur. RC 2742. Ce n'était pas sa parcelle. Sa parcelle, c'est 64 justice. D'après l'ordonnance de 1995. L'ordonnance 687/2.50/1995. Du 4 novembre 1995. Cette ordonnance-là. Ça étalait les 10 villas que l'État congolais avait mis en vente aux enchères. Et la parcelle 64 justice était là. Mais lorsque il a eu son arrêt ici à côté, cours de cassation, le 30 mai 2018, il est allé au greffe d'exécution, il s'est arrangé, on a inséré la parcelle 35-36. Et c'est comme ça que, subitement, la commune est venue nous annoncer que non, il y a une sommation ici. Mais quand on est allé à la commune, demander, mais ça c'est la sommation, où est le jugement? On a cherché le jugement pendant 4 mois, on n'avait pas vu le jugement. Nous n'avons jamais été avec lui dans un quelconque procès pour cette maison. Nous avons été dans notre sambana, nous avons été pété. La 35-36 est tombée comme un cheveu dans la soupe, dans la sommation. Car on a dit, dès qu'on nous a fait sortir d'ici, le vieux propriétaire qui est mon beau-frère, le grand frère de madame qui est ici à côté, paralysie, et jusqu'aujourd'hui, malade. Tomata, to kende, to. On a cherché, heureusement, de tomber sur l'arène en cour de cassation. En vérifiant, on a trouvé que non, sa parcelle, c'est 64 justice. Pas 64 Lukusa. Et quelques temps après, on nous apprendra que oh, 64 justice, il était même installé là-bas, il avait même vendu. Ah, mais comment il est revenu sur lui? Papa, Tosali Boye. 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 Je vous réserve les détails. Et pendant ce temps, on me dit que non, ce n'est pas la première fois que M. Moki a appris pour déguerpir. Non. Cette fois-ci, vous pensez encore qu'il va revenir pour faire la non, il est venu une seule fois, pendant que nous, on avait d'autres prédateurs tels que les Ascentrans, les Unicorps, les Kupanyengele. Voilà pourquoi les beaux-frères s'étaient déplacés en 2018. Là, il était fort. Il est venu aux affaires foncières. Il a porté plainte. On l'a entendu sur PV. On a envoyé les enquêteurs. Ils ont enquêté. Ils ont trouvé que Kupanyengele, c'est un faussaire. Assam Trans, faussaire. Naba Aré, il y a ex-ministre dont j'étais le nom. Il y a urbanisme. Unicor, bah faussaire. Nous avons le rapport des affaires foncières. Pendant qu'on était de l'autre côté focalisé, et on est venu nous déguerpir par un certain Mokia, comme vous dites. Enfin, vous avez reçu la parcelle. Enfin, nous avons reçu la parcelle parce que l'ordonnance qui sous-tendait les droits de propriété de Mokia, l'ordonnance 246/D.15/2020, du 13 août 2020, hein, cette ordonnance-là a été rétractée partiellement. Avec l'ordonnance que vous voyez là-bas, 980.
le 4 novembre. Vous comprenez un peu ça? Nous disons coup de chapeau, merci beaucoup chef de l'État pour l'état des droits. Nous comprenons maintenant que l'état des droits n'est pas sélectif. L'état des droits, c'est une réalité. Mais son chemin est dur. Mais nous y sommes aujourd'hui. Les histoires sont là dehors. Nous, nous sommes là. On vient de nous installer. Nous sommes là. Papa Tika, si vous avez le sentiment de vous dire, Zali, na yebite na pesika ka président de la République merci parce que état de droit est là eza siloganté eza makamba solo eza makamba solo na lobaki yango na oloba ngona vota ki epamba te aumela poto moni eza lisusu te oyaba ekomi ya biso nyonso c'est-à-dire mutu nyonso to za na dotene na justice a tchanzambe liboso te justice pe oromona ko zwango biso to récupérer ndako. Papa Oyo, aya, ceux qui font mandat que ça, aya, bino bosa, aya na ba document, biso peut-être ça ba document. Et ça lupang wa grand frère nanga, ti lelo azaka na koma. Mais na yebi ke lelo nenga zulu pang na ye, nzambe pa se ku sa yebi sika zali na koma. Raison na biso. Merci na ndenga ba retracter to za nango. Ceux que za yaye, wana ba ngaki ba retracter ta, mais to za na ba document na biso nyons. Aya, document na document de samba, ba bi pièce contre pièce. Merci. Ma Mission TV, le miroir du monde.